Depuis que la Corée du Nord a menacé d'envoyer ses missiles sur l'île de Guam, le monde entier s'intéresse à ce petit territoire administré par les États-Unis. Perdue au beau milieu de l'océan Pacifique, l'île est depuis la Seconde Guerre mondiale une base militaire avancée où stationnent près de 6000 soldats, mais pas seulement. Il est regrettable que les gens veuillent en savoir plus sur Guam juste à cause des tensions actuelles, car mis à part ces tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, Guam est un lieu merveilleux pour vivre, c'est un paradis. Depuis une semaine, la presse locale ne parle que de la menace qui grandit, mais la plupart des habitants gardent leur calme. J'ai un cousin qui vit en Corée du Sud. Il nous a dit de ne pas nous en faire, de vivre notre vie, de boire de la bière et de profiter du soleil. On n'est pas inquiet. Véritable perle du Pacifique, Guam attire chaque année plus d'1 million de touristes, essentiellement asiatiques.